Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière pro. Du coup, nouveau club forcément, vous avez vu dans le précédent épisode, ça a pas mal fait parler. Comme j'ai dit, j'avais peur de pas recevoir d'offres, du coup j'ai préféré partir à Aston Villa. De toute manière, c'est un club étape, c'est très bien, on part du LOSC, on voulait aller dans un plus grand championnat. Forcément, on joue pas l'Europe, mais on joue quand même dans le plus grand championnat du monde. Ça commence à être intéressant, mais on va utiliser Aston Villa comme un club étape, bien entendu. Par contre, gros problème avec Dean Smith. Donc là, c'est cool, on joue Chelsea, on va jouer du lourd là, hein, je crois. On joue Chelsea, Leicester, et ensuite West Ham. Les Wolves qui sont là, Brentford. Ok. Par contre, le plus gros problème, les gars. Alors déjà, attendez de parler, avant de se parler de ce problème-là, on va parler des points positifs, parce que c'est un point négatif. Point positif, boum, 4e de Première Ligue. Oui, je suis confiant. Sincèrement, on va surperformer cette saison. Vous allez voir, on finira top 4. Top 4, c'est-à-dire Ligue des Champions. J'annonce top 4. Top 4 Aston Villa. Vous pouvez screener tout ce que vous voulez, vous allez voir. Ça va me vanner dans les commentaires, mais c'est pas grave. Là, on joue contre Chelsea. Bon, par contre, maintenant, il y a un petit problème. J'ai l'impression que j'ai un problème avec les coachs. Je sais pas ce qui se passe. Là, il me met MDC. C'est tout sauf mon poste, hein. Faut pas oublier que je suis quand même un joueur assez offensif. Du coup, je me pose la question. Est-ce que je changerai pas de nouveau de poste et je me mettrai ailier gauche pour retourner sur le côté gauche? Par contre, je perdrai ma place de titulaire. Je serai remplaçant et il faudrait essayer de récupérer une place de titulaire et tout. Donc, à voir. Mais du coup, nous, on va jouer ce match. Je vais voir le coach. Peut-être que le coach me teste. C'est possible. Des fois, les coachs, voilà, ils me testent. Ils disent, je vais le mettre MDC. S'il dit quelque chose, il dégage. S'il dit rien, je le mettrai un peu plus haut au prochain match. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, je ne vais pas jouer MDC. Là, au pire, je finis avec une mauvaise note. Mais je ne jouerai pas MDC. Je vais laisser en galère à McGuinn et Kulus. Je vais jouer un peu plus haut. Je joue MOC, en fait. Je change de poste. Je vais jouer un tout petit peu plus haut. Je vais jouer derrière Higgins. Mais on est parti pour ce match contre Chelsea. Chelsea, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont bien classés? Chelsea 12e, ou mauvais début de saison de Chelsea. Il faut planter. Il faut planter et gagner ce match. C'est parti. Attention quand même au buffle Lukaku, effectivement. Allez, les gars. Premier League, classement, s'il vous plaît. Ah non, ok, d'accord. On est là. En vrai, il est stylé le maillot de Aston Villa. 7-5, réalise 5. Bon, 5 interceptions, c'est abusé. Ouais, mais c'est des stats de MDC qui me demandent. Taux de réussite de tacle. Au mieux, j'ai la note de 7,5, c'est tout. Oh là là, je pensais être dessus. Oh, ça joue bien, Chelsea. Hein. Hop là, et une interception. Et deux, une. Pourquoi j'ai pas gagné de points là-dessus, là? Attends, j'ai pris mon interception ou pas, là? Mais réaliser 5 interceptions, je suis à 0. Non, ça commence. Et ça, c'est quoi, ça? Voilà, subir l'interception. Ok, merci. Et puis, il y a Mendy, hein, dans les caches, c'est du lourd. Rhys James. Kai Havertz. On va aller tout de suite sur Lukaku. Ah, l'interception. Comment ça me saouler. Oh merde. Oh, c'est la merde. Pff, la claquette. Pourquoi Lukaku est tout seul là? On est dessus. Ok. Panique pas. Ouais, mais moi je suis pas le meilleur de la tête. Je mets le pied. Allez. Faut pas que je fasse un trop bon match en défense parce qu'il va me dire ouais, très bon défensivement là, lui là. Alors qu'en fait, je suis nul. Martinez, retourne dans tes cages, frérot. Mais pas arrêter de dégager. Chelsea qui se rapproche du but. Gardien. Oh là là, la manchette. Intervention du gardien qui repousse. Je t'ai vu, hein. Je suis là. Al-Ghazi. Oh, wow. Ouais, lâche-moi. Interception. Ça compte pas comme une interception, ça. Par contre, t'inquiète pas, il a pas oublié de me mettre la perte de balle, hein. Oh, le centre. Oh oui, il est tout seul. Oh, la tête. Oh là 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 là. C'est Bertrand Traoré, ça, non? J'arrive, je coupe au premier. Premier, first. Deuxième chance, c'est pas grave. J'ai pas assez bien coupé, c'est de ma faute. Hop, je me glisse, hop. First. La même. Oh ouais, Kai Havertz, il est grand lui. Donc c'est moi qui ai petit peut-être. Oh. Oh oui. Ça compte pas comme une interception, ça, encore. Oh, mais je me fais vraiment avoir. Allez. Oh, vas-y Mendy, trop fort lui aussi. Bah, je bloque Lukaku, c'est le plus important, le plus chiant.
Par contre, ça attaque à beaucoup là. Ah, ça pue, hein. Martinez. Ah, elle est à nous. En plus, il la retouche. Oh! Ok, c'est la première ligue, ça se voit. Pourquoi je suis devant toi? Pourquoi tu fais ça? Oh, Lukaku. Oh, Lukaku. Oh, Lukaku. Oh, Lukaku. C'était à prévoir. C'était à prévoir. Je suis juste devant lui, au lieu de me la relancer, il envoie une roquette devant. Et puis bon, bah derrière, grosse frappe de Lukaku. Pied droit en plus de ça. Marque son cinquième but en 6 matchs. Hein. Il est chaud, Lukaku. Je peux vous dire que là, je vais arrêter de jouer à MDC. Hein. Là, je reste là histoire d'eux, mais. Donne-moi ça. Averti qu'il n'arrive pas à conserver ce ballon. Allez, ça dégage, Lukaku. Hop là, ça dégage, ça aussi. Allez, les gars, on y va là. Je suis là. Il y a du beau monde. On enchaîne. Oh là là, il n'y a pas une petite main, un truc. Dommage. Oh, Mendy. Oh là, oh, le craquage de Mendy. En deux temps. En trois temps. Oh là, Mendy, c'est rare de le voir comme ça. Allez, premier poteau. Là, on revient. Premier pote. Ah, une sous-siège. Allez, le taco. Allez. Bon, mi-temps, on est mené 1-0, Lukaku qui a planté une magnifique frappe pied droit, pleine lucarne. On peut faire mieux. Bon, le problème, c'est que moi, je suis cantonné à un poste défensif, donc c'est un peu chiant. J'essaye de monter de temps en temps, mais après, il faut que je redescende. On a 3 interceptions. Ouais, on n'est pas loin d'avoir les 5, hein. Ça va être chaud d'avoir les 5 en vrai, et puis là, faut que je me concentre sur de l'offensif. Oh! Oh la vitesse, je vais le fumer. Oh le physique. Allez, oh la carte rouge. C'est le dernier défenseur, Malanxar, là. Oh non. Oh c'est de l'abus. Oh, deuxième poteau. Tu m'as vu? Désolé les gars. Je m'excuse. Fallait tenter. J'étais complètement seul. Peut-être en une touche. Bon, direct. Oh là. Oh ça pue. Je me replace. Je m'en doutais. Lâche ça. J'ai pas mis le pied là. Timing quoi? Dégage ça. Là frérot. Allez la tête. Ah c'est mort. Gardien. Oh là là. Il est bon. Allez on y va. Oh là là, Bertrand Traoré, allez, pousse, t'as un boulevard là. Hein. Oh, je suis cuit, ça y est, j'ai envie de tout casser. Là? Oh oui! Oh, j'y ai pas cru. Sincèrement, j'y ai pas trop cru, ma frappe pied gauche moisie. Et au final, ça rentre. Alors, je sais pas si elle est contrée ou quoi. Peut-être que. Il y a Mendy qui fait une erreur dans ce match-là, il est pas très fort, Mendy là. Ah ouais, il est à moitié masqué et il y a Higgins en fait qui se couche au dernier moment. Oh là là, ouais, Higgins qui se couche au dernier moment. Ah, il la touche! Il la touche du bout du pouce, mais ça rentre tout de même. Et du coup, ça fait un partout, on revient. Et coach, vous avez vu ou quoi? Je suis pas MDC moi. Jouer en bas. Jouer. Tranquille les gars. On écarte. Je suis là. C'est quand même étonnant, ce qu'on... Au moins, je peux organiser du haut de mon poste de MDC, là. On peut organiser le jeu, ça, c'est pas mal. Tu m'as vu? Je suis là, si jamais. Oh, la merde. Oh là là, on est dans la merde. C'est bon, on se replace. Tout le monde est replacé. En vrai, il reste 5 minutes, faut juste tenir. Hein. Un partout, c'est quand même un bon résultat à Chelsea, en plus. Hein. Je la touche! Non, pas... Ouais, c'est bon. Pourquoi tu dégages? Pourquoi faire? J'ai rien dit. Joue devant. Oh. Pourquoi tu fais ça, toi? Merci pour ces précieuses informations. Ah, je suis dessus, interception. Je la tente. Oh, elle est nulle. Elle passe pas très très loin, mais elle est nulle. Il y a pas assez de puissance. Déjà, je pensais que j'allais être contré. Je pensais même pas pouvoir tirer. Mais ouais, elle était un peu trop restée dans mes pieds. Pas de puissance. Oh, la dernière. Elle est pour nous. Non, en bas. Oh non, vous abusez là.
Oh non, vous abusez. Dans les pieds, les passes. Dans les pieds. Fin du match. Bon, match nul un partout. Chelsea qui est pas en très très bonne forme. Franchement, ils étaient prenables. Après, c'est compliqué. Je joue MDC. C'est chaud. Je sais, j'ai même pas regardé. Ça se trouve, j'ai fait les 5 interceptions. En tout cas, au niveau de la note, on est bon. Bon alors, une interception ne devait pas être très très loin. Au niveau des tacles, on n'est pas bon. En même temps, voilà. Tu me demandes d'avoir une bonne note, c'est fait. Mais par contre, faut pas me demander des trucs défensifs. C'est pas possible. Je ne suis pas MDC, coach. Je suis MOC, MC, AG, AD, BU, tout ce que tu veux. Mais pas MDC. Prochain match du coup contre Leicester. À domicile. Quel poste va-t-il nous faire jouer? Il a un problème. Il a un problème. On va rechanger. On va rechanger. Je vais me mettre AG. Je vais mettre AG, c'est pas grave. On est passé ailier gauche. Du coup, bah forcément, on est remplaçant. On va faire les entraînements. Ça va peut-être nous aider à remonter petit à petit. Voilà. Pour récupérer une place de titulaire. Du coup, le but, bah, l'objectif, c'est de jouer. Non, parce que du coup, en fait, si je me suis mis ailier gauche, c'est pour avoir un poste qui n'est pas défensif, quoi. Du coup, parce que je jouais quand même MDC de base. Et là, coach, en fait, j'aime bien, moi, devant milieu gauche, milieu offensif, tout ce qui est offensif, quoi. Du coup, là, en fait, le fait que mon poste soit mis ailier gauche, vous êtes censé me faire jouer devant, pas défenseur gauche, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. Oh, on prend le brassard! On prend le brassard, par contre, ouais, on est défenseur gauche quand même. Hein. Qu'est-ce que je vais foutre, défenseur gauche? On a personne sur le banc dans cette équipe ou quoi? Moi, je suis un défenseur gauche assez offensif. Hop là. Hop là. Moi, je suis frais, hein. C'est pas perdu, vous inquiétez pas, c'est pas perdu. C'est pour montrer au coach que. Bah, qu'on lâche pas la balle en fait. Mais je suis replacé, vous inquiétez pas. Putain, ça se voit que je suis pas défenseur gauche. Déjà que je suis pas défendre de base. J'arrive pas à le rattraper lui. Eh ben oui, c'est vrai qu'il y a personne hein, du coup en bas. Mais si, je suis là, regardez, hop. Ah non, j'ai rien dit. Dessus les gars, dessus. Oh la frappe. Oh la frappe. Heureusement, on gagne 2-0 de toute manière. Oh, la vitesse, l'accélération, on fait le dé. Oh, oh le rageux. Oh les rageux. Oh. Aïe. Oh. Oh, vous avez vu, coach? Oh, vous avez vu ce travail, coach? Là-haut? Non, 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 coach, moi je peux pas. Je donne le max, mais à un moment. En vrai, c'est chaud d'être latéral parce que tu... T'as des dédoublements derrière ton dos et tout. T'as des dédoublements dans ton dos. Des fois, ils arrivent à deux et tout. Tu sais pas trop. Tu prends l'axe, tu prends le deuxième poteau. Bon, ça va. Victoire tout de même 2-0. Grâce à mes coéquipiers. On a des petits soucis à régler avec le coach. On va pas se le cacher. Y a des petits problèmes de communication. Je connais pas encore très bien l'anglais. Du coup, fait que je connaisse pas l'anglais, je pense qu'il comprend pas mon poste en fait. Et puis. Il a pas trop dû regarder mes matchs en Ligue 1, quoi. On avance. Et quand même, on est 3ème de Première Ligue. West Ham, 17ème. West Ham, très très mal classé. Non? Non, non? Non, non, coach. Non, mais il y a un problème, là. Ok, les gars, on part un petit peu en clash avec le coach. Il me remet défenseur gauche. Ça arrive dans le football, ça arrive, c'est comme ça. Gros clash. Gros clash, du coup. Là, je claque une petite insulte, tu vois, au coach. Ni vu ni connu. Hop, je viens de rentrer. Ah non. Ah, je voulais faire demander le remplacement, mais à mon avis, il a fait 3 changements. Ah, si, il restait un changement en plus, je pouvais sortir. Alors, coach? Il y a un problème, coach? Oh, je perds la balle comme ça. Ah, je crois que c'est pas mon coach en plus. Il est là, mon coach. Oh, j'ai failli fracasser mon coach. Ah non, mais là, ils défendent à 3. Hein. Moi, je les ai abandonnés. À 2 même. Hein. Ah non, moi, je les ai abandonnés. Hein. Un placement certain. Ouais, moi, je suis très bien. Là, regarde, MOC. Hop, on remonte la balle. Ah ouais, non, là t'abuses, là. Là t'abuses. Je suis là, hein. Regarde ça. T'as déjà vu un latéral gauche faire des frappes comme ça? Bon, encore une victoire 2-0. Bon, c'est pas grâce à moi. J'ai une affaire à régler avec le coach, moi. Moi, j'ai des petits problèmes. Bon, voilà, avec mes coéquipiers, ça se passe bien. En plus, les résultats sont là, donc forcément, l'ambiance est cool. Du coup, je suis passé milieu de terrain parce que ailier gauche, en fait, il croit que je peux jouer défenseur gauche. Donc, du coup, je me suis mis milieu gauche. Voilà, on est milieu gauche, c'est bon, stop. Maintenant, tu peux plus nous faire genre je peux jouer défenseur gauche. C'est pas possible. Franchement, il me fait jouer défenseur gauche, je pars au clash. Je pars au clash, je vous le dis. Hein.
Ok, coach. Ok, je crois qu'il a entendu notre message. Oh, ils ont un carton rouge en plus. Adama Traoré, il a pris un rouge. Il a entendu mon message. De toute manière, c'était soit ça, soit il me faisait geôlier gauche. S'il me remettait défenseur gauche, j'allais plus aux entraînements. Je simulais jusqu'à la mi-saison. Donc là, ça va, c'est cool. Je suis content parce qu'en fait, je suis dans une quand même bonne équipe à Aston Villa. Je suis content d'être au club. Et du coup, là, il me fait geôlier gauche. Il a compris mes qualités offensives. Atteindre au moins un but. Réussir cette passe. On va en faire 10, ça devrait le faire. Faut jouer côté gauche, par contre, ça va aller très très vite le temps là en fait. J'aurais dû augmenter. Cette attaque. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Encore 7 minutes à jouer. On s'approche du but adverse. Oh là là, ça joue bien! Oh là là, Aston Villa! Eh oui! Aston Villa, on est là! Les Villains! Oh, ça joue bien, ça joue bien! C'est magnifique ça, voilà! Un rôle offensif, coach! Deuxième but en 6 matchs! Mais oui! Et les 3 points, on va arracher les 3 points, 84ème là! 6-4 pour avoir marqué un but là? Nouveau poste AG, ok. Mais attends, je viens de marquer un but à la 84ème minute de jeu. Dessus, mais tu mets le pied là! Et j'ai que 6-4 de notes! C'est pas honteux ça? Martinez! J'aime bien Martinez, je le trouve vraiment bon. Ashley Young. Je vais au bout. Oh oui, elle est belle. Oh là 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 là, les gars. Ouais, on peut pas faire mieux comme entrée. Un but, une passe D. C'est magnifique. Bon, non, moi je saute pas dans les bras du coach. Hein, pas encore. Hein. Pour l'instant, on n'est pas encore totalement réconciliés. Voilà, je reste derrière. Je suis avec Bertrand Traoré. Tout va bien. Ah, le public est là. On a un beau stade en vrai. Hein. Je prends le petit centre. Et la tête, boum! Au premier poteau, le gardien qui bouge même pas. Oli Watkins! 2-0, on est bien. Après, c'est vrai qu'il joue à 10 quand même. Hein. Il joue à 10 contre 11. Mais par contre. Non, mais il jouait pas à 10 contre 11. Il devrait avoir une white card là-haut, là. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Ah, c'est de ma faute, c'est de ma faute. J'aurais dû être sur ses médos. Mais t'inquiète pas, je suis là! Ah, ok, non, je suis pas là. Dessus. Là-haut, 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 ça écarte là-haut. Adama, il est là, il a pas pris un rouge, Adama. Mais attends, mais j'ai rêvé. C'était peut-être un logo d'une blessure ou je sais pas. Ah non, peut-être but refusé. Je me suis trompé, j'ai cru que c'était un carton rouge. En fait, c'est un but refusé, j'ai regardé vite fait. Y'a rien, monsieur l'arbitre. Oh, mais Adama Traoré, va bouger Adama Traoré aussi. Fin du match. But à la 84 et 86e minute de jeu. C'est après l'entrée de Floxinho. Ah, je pense que le coach va y réfléchir à deux fois là. Là, on a fait une bonne entrée. Mais juste la note, moi je comprends pas. On fait un but, une passe D. On finit avec quoi? 7-7 de notes quoi. C'est honteux. C'est juste honteux. Ok. Plus 25. Bon, bah on prend hein, petit à petit. Ça va remonter. Là, on a un match de coupe contre Bradford. Peut-être qu'il va faire tourner. Fait tourner, coach, ou pas? Il me fait jouer quoi? J'ai bien l'impression qu'il y a un petit foutage de gueule au niveau du coach. Un léger foutage de gueule au niveau du coach. Le coach se fout de moi, clairement. On va pas se le cacher. Que je mette milieu gauche, que je mette BU, que je mette truc. En fait, il me fait jouer où il veut, quoi, en fait. Je suis à deux doigts de partir au clash. Clairement, je suis à deux doigts de vriller. La carrière de Floxinho à deux doigts de vriller. Hein. Mais bon, on est un professionnel exemplaire. On va pas faire de dinguerie. Oh, le latéral gauche. Oh, le latéral gauche qui monte. Il y a le latéral gauche, regardez coach! J'ai une tête de latéral gauche! Non! On est tous sauf latéral coach! Comment ça nous saouler lui? C'est pas possible d'être aussi nul! Y'a quoi maintenant? Y'a quoi? T'imagines l'insolence du joueur, le mec qui va voir le coach après avoir marqué. Y'a quoi maintenant? Y'a quoi? Maintenant tu me refais jouer encore une seule fois défenseur gauche, tu vas voir. Essaye de trouver la faille. Aïe. Oh là là. Ah, il est incroyable. Oh, Martinez, il est incroyable. Dessus, non? Oh, il est trop fort. Oh, il est trop fort, Martinez. Incroyable. Oh, il est trop chaud, notre gardien. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ça? C'est une passe magnifique. Oh là là, coach. Mais arrêtez de lui sauter dans les bras, ce coach-là! C'est pas grâce à lui! C'est grâce à nous! Ah, y a quand même un très gros problème avec ce coach. Hein. Un très très gros problème avec ce coach. Oh,
Oh, la petite louche magnifique. Et puis derrière, c'est Higgins, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Higgins qui fusille pour le 2-0. En vrai, grosse saison à Aston Villa. On fait une saison incroyable. Bon, là, c'est un match de coupe, mais... Mais énorme, énorme début de saison pour nous. Hein. Oh, City éliminé. Oh, il reste qui? Swansea qui est éliminé. Oh, il reste Manchester United quand même. Il y a peut-être un coup à jouer. Homme du match, impeccable. Plus 25. Deuxième. Deuxième de Première Ligue. Deux points derrière Manchester United. On va jouer Crystal Palace. Crystal Palace, septième. Hein. Ok, on a été mettre quelques points. On passe à 83 de général. Match entre Crystal Palace. Et chaque match, c'est une tension comme ça parce que je ne sais pas quel poste il va nous faire jouer. Pas mal. Pas mal. Celui-là, ça va. Et en plus, à chaque fois, on gagne. Hein. 2-1. Il reste un quart d'heure. On joue ailier gauche. Impeccable. Allez, un quart d'heure à jouer. Il va falloir gagner une place de titulaire quand même. Hein. Oh oui, bien joué. Oh, bien joué. Oh là là, dommage. Ça joue bien. Ça joue super bien, Aston Villa. Oh! Pas grave, pas grave, pas grave. Allez, on la récupère. Impeccable. Impeccable, ça. Oui, je me bats. Je me suis pas battu longtemps. Hein. J'aurais dû centrer plus tôt. Donne le ballon, donne le ballon. Je provoque, coach. Laisse-moi tranquille, laisse-moi jouer un peu, non? Laisse-moi respirer. Oh là là, oh là là. Allez, devant. Ça pète, ça pète, ça pète, ça pète. Non! Je t'ai vu, elle est belle. Oh, qu'est-ce que... Ton contrôle est un peu moisi, là. Oh, t'as tout été moisi, ton contrôle, ton choix. C'est pas grave. C'est pas grave, on encourage, on encourage. Fin du match. Victoire 2-1. On n'a pas pu montrer grand-chose dans ce match, malheureusement. Mais point positif. Le coach nous a mis au bon poste. Donc voilà, on enchaîne les victoires, en vrai, hein. On enchaîne les victoires. 8-6 Barry. Liverpool 2-0. City 2-1. Leeds qui a perdu 2-1. Donc ça va, ça augmente. Ça continue d'augmenter petit à petit, mais ça augmente. Ça augmente. On a les entraînements en plus de ça. On est bon. On simule tout ça. Ça nous aide à remonter un petit peu. On est bientôt titulaire. Peut-être qu'il va y avoir d'autres entraînements avant le match. Non. Bon, on va jouer contre Burnley. Surprise, surprise. Je ne sais pas à quoi m'attendre avec le coach. Au niveau du classement, on est deuxième. Toujours deux points de retard sur Manchester United. Mais en vrai, énorme début de saison. City et Liverpool sont derrière. Ils sont loin derrière. Ils sont septième et huitième quand même. Newcastle 13e, ok. Watford, Wolves et Burnley. Bon dernier. Enfin, les trois dernières places, je veux dire. Mais ouais, moi, franchement, Aston Villa, je vous ai dit, j'ai prévenu. Moi, j'ai prévenu en début de saison. J'ai prévenu. Là, on joue le 18e. Ça a l'air d'être rentré dans la tête de notre coach. Ça a l'air d'être rentré dans la tête de notre coach. Ça fait deux matchs qui nous fait jouer ailier gauche. Si on fait un bon match, prochain match, on est titulaire, je pense. Il faut se battre. Hein. Aston Villa, faut se battre pour avoir une place de titulaire. Hein. C'est violent. Hein. Oh. Il m'a fait une feinte là, genre il m'a pas laissé passer, on est d'accord? Genre j'allais me jeter et il est passé devant moi. Ou c'est moi qui ai rêvé? Allez, je vois des dingueries avec mon coach. Hein. Réussite de centre, ouais, ça va être chaud ça. 3-1, Manchester United, ouais, ils sont chauds Manchester. Hein. Ils font un énorme début de saison. Hein. Faut qu'on gagne les gars, hein, parce que Manchester c'est en train de gagner. Sinon on va avoir 5 points de retard sur eux. Après il y a pas mal de temps encore, ça on est qu'à l'heure de jeu. Voilà, oui. Oui, oui. Oh là. Mais attends, mais la frappe, elle est partie à quelle vitesse? Watkins. Il a mis une patate et le gardien. Bah, attends, il se l'est pris dans la tête ou c'est le bras? Impressionnant l'arrêt. Hein. Oh, ça revient. Oh, il est pas dans ses cages. Oh, si, j'aurais dû croiser. Oh là là, là c'est... Bah oui, magnifique ça, bien joué Trezeguet. Bah je l'ai vu, il était mieux placé que moi, j'ai préféré lui donner. Il a mis une belle frappe en plus de ça. Ouais, Ashley Young reste défenseur gauche. Hein. Reste à ton poste, ne sors surtout pas. On se retourne, on fait une petite passe et PAN. La frappe qui part très fort. Trezeguet qui marque, c'est parfait. Hein, il y a une vraie équipe Aston Villa. En vrai les gars, Aston Villa va vous bluffer je pense. Même moi ça me bluffe hein, pour le coup, mais j'y crois. Contre-attaque. La contre-offensive toujours. Oh là là. Oh, j'ai pas eu le temps de la glisser et de la remettre à Trezeguet. En vrai, ça joue en une touche de balle. Ça me rappelle un peu le LOSC. Hein.
J'y vais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je lui mets la pression. Je t'ai dit, je lui mets la pression, la grinta. On lâche rien. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Mais vous voulez faire quoi face à ce collectif-là? Vous voulez faire quoi? On a un collectif incroyable. Mais arrêtez d'aller voir ce coach. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas pourquoi ils vont tout le temps célébrer avec le coach. Mais par contre, collectivement, c'est incroyable. Incroyable. Bon, après, on joue Burnley. Hein. Ils sont 17e. Heureusement qu'on gagne contre eux. Hein. Ah 3-2. Oh, encore un but pour Manchester. Ah, Bruno Fernandes, bah oui. Oh non. Et puis au même moment, c'est nous qui encaissons. Ah, on va avoir une fin de match un peu compliquée. Il y a 2-1. Ah, c'est peut-être pas terminé. Il faut être vigilant parce qu'on écoutait le but de Manchester, mais je pensais qu'il allait voir peut-être 3-2. Non, non, on craque pas maintenant. Pas maintenant. Hein. Bien joué. En vrai, la défense, solide. Hein. Elle est dure, mais je la tente. Elle était dure. Elle était dure, mais fallait la tenter. Le jeu était là. Alors que vous découvrez le temps additionnel, décompté 3 minutes. 3 minutes de temps. Oh, ça, c'est une frappe croisée, ça. Oh, double poteau. Oh, aïe, 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 aïe. Ça veut pas. Ça veut pas. Alors là, par contre, c'est bon. Non, c'est bon. Allez, on siffle coach. Non, merde, coach. Qu'est-ce que je raconte, arbitre? Oh, referee. Oh! It's over! Voilà. Bon, petite victoire de 1. On s'est fait peur en fin de match, mais clairement, on était largement dessus collectivement. Aston Villa. C'est un petit bonbon. Hein. Franchement, ça joue super bien. Parfait. Bon, petit bémol dans l'équipe. Oh là là, Liverpool. Bon, Chelsea, ils peuvent rien faire, mais bon, là, c'est Liverpool. Mais Chelsea, je vais aller voir leur classement. Mais ils sont au fond du trou, là, Chelsea. Hein. Nous, on a toujours 2 points. Hein. On suit, on est les seuls à suivre. Southampton, 3ème. Arsenal. Ah, ça y est, on commence à voir Liverpool qui va commencer sa remontée. À mon avis, Liverpool City, ils vont enchaîner 10-15 victoires de suite. On va aller voir revenir sur nous. Les entraînements se passent bien. Ça y est, on est dans le 11 de départ. Prochaine vidéo, les escrocs. Ce sera le match contre Manchester United. Et en plus de ça, on est titulaire. Attention, quel poste? Parfait. Parfait. Là, tout est parfait. On est titulaire au poste de ailier gauche. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. On peut potentiellement prendre cette première place si on gagne notre match. Parce qu'on n'a que 2 points de retard. On va faire un petit rapport d'équipe pour voir un petit peu. Parce que nos coéquipiers, quand même, ils sont pas mauvais. Martinez dans les buts. Incroyable. Oh non, contrat se termine dans 5 mois. C'est abusé là. Faut lui proposer un contrat. Hein. Nous, on est là. 83 de général. 26 ans. Keita Thatcher. 82 de général, Kudus 82 aussi, le petit Cash 81, Kontsa 80, McGuinn 80, Danny Higgins notre buteur 80, Douglas Lewis 80 de général, Daniel James, je le vois pas beaucoup lui, 80, Diogo Goncalves 80 de général, Ollie Watkins 80 aussi, Frimpong 79, Bertrand Traoré 78 côté droit, Morgan Sanson, c'est vrai on le voit pas non plus aussi. 29 ans, il est là. El Ghazi, on a pris son poste, forcément. Trezeguet qui rentre devant de temps en temps. Il n'est pas content de son temps de jeu. Et au niveau des stats, Higgins, meilleur buteur, forcément. C'est notre buteur titulaire. 5 buts, 2 passes D. Moi, je suis à 4 buts, 4 passes décisives. Kudus, 3 buts, 1 passe D. 3 buts pour Traoré, pardon. 3 buts pour Watkins. 2 buts, 2, 3 passes D pour McGuinn. Et le petit Barry, 2 buts pour lui. El Ghazi, 1 but tout comme Trezeguet. Voilà, voilà pour ce petit rapport d'équipe. J'espère que vous avez kiffé cet épisode de Carrière Pro. Ça va être chaud parce qu'on joue Manchester United. C'est le match pour la première place. Donc on va tout donner. Et en plus de ça, on est titulaire. On récupère une place de titulaire. Donc là, tout va bien. Ça y est, on commence à apprendre l'anglais. Dan Smith, il a compris que notre poste, c'était ailier gauche. Donc, ou au pire, MOC, mais pas en défense, quoi. Donc bon, voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très rapidement pour la suite. Prenez soin de vous les escrocs. C'était Flo, Nox, aux manettes.